Nouveau rendez-vous de l'invité de la semaine sur Radio Liberté 92.8 FM. Madame et messieurs, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Cette semaine, nous recevons sur la 92.8 le docteur Laurent Ouédraogo. Il est enseignant-chercheur au département de géographie à l'Université Joseph Kizerbo, promoteur de la structure Alternative Production et réalisateur du film documentaire « Nous n'habiterons pas au ciel ». Docteur Laurent Ouédraogo, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Oulon. Tiona Sanogo est à la technique de ce numéro de l'invité de la semaine devant ce micro, Atiana Serge Oulon. Alors, pour commencer, vous êtes enseignant-chercheur au département de géographie précisément, l'unité de formation et de recherche en sciences humaines de l'Université Joseph Kizerbo. Tiona, qu'est-ce que vous enseignez précisément au département de géographie? Merci beaucoup pour cette invitation, monsieur Oulon. Mes salutations aux auditeurs de Radio Liberté et félicitations à la radio qui est une voix citoyenne qui donne un cadre d'expression aux citoyens sur des sujets divers. Alors, comme vous l'avez dit, je suis effectivement enseignant-chercheur en géographie de l'Université Ouagadougou. J'enseigne la géographie économique et des matières qui ont trait au monde rural, la ruralité, parce que je suis géographe ruraliste. Alors, vous allez nous expliquer déjà qu'on parle de géographie économique, on se dit qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce qu'on fait de l'économie en géographie? Ou qu'est-ce que l'économie a à voir avec la géographie? Ou qu'est-ce que la géographie a à voir dans les affaires économiques? Exact. Voilà. Il faut dire que la géographie s'intéresse à l'économie, ça ne date pas de maintenant. C'est déjà une histoire ancienne, hein, parce que les fonctions fondamentales, principales de l'économie, qui sont la production, la distribution, la consommation, ont des rapports avec l'espace. Vous savez que l'espace, c'est la vitamine A du géographe. Et la géographie étant une intelligence de l'espace, et le géographe, normalement, qui est le génie de l'espace, s'intéresse naturellement à tout ce qui se déroule dans cet espace-là, sous l'angle des rapports qui existent entre les activités humaines et l'espace, comment les activités humaines impactent sur l'espace, comment l'espace joue un rôle dans la distribution, dans la localisation des différentes activités. Et en ce sens, les géographes ont un rôle d'éclairage des logiques des activités humaines sur notre espace terrestre. Et en ce sens, la géographie, depuis longtemps, a beaucoup apporté dans la compréhension de l'économie. Et les économistes s'intéressent à l'espace. Et il y a même une branche de l'économie qu'on appelle l'économie spatiale, qui veut dire la prise en compte de la donne spatiale dans l'analyse des faits économiques. Voilà. Donc, la rentabilité d'une unité de production, la localisation d'une entreprise ou d'un service, a une dimension, ces éléments-là ont des dimensions spatiales, donc la rentabilité est parfois déterminée par la localisation. C'est à un lieu, c'est dans l'espace, et il y a beaucoup de connaissances autour de cela qui méritent que les géographes apportent leur touche, comme les géographes offrent à d'autres disciplines des services extrêmement importants qui permettent à ces disciplines-là même d'élargir leur champ de compréhension. Et qu'en est-il du monde rural? Parce que vous avez évoqué aussi des questions de ruralité. Oui, la ruralité, c'est ce qui n'est pas urbain, disons classiquement comme ça. Et dans le cas du Burkina, c'est la grande majorité de Burkinabés vivent en zone rurale, comme on le dit. Exactement, en milieu rural. Et la ruralité aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas urbain, comme je l'ai dit. L'espace, les territoires sur lesquels sont installées des populations dont les activités ne sont pas des activités de type urbain. L'agriculture, l'élevage, la pêche, etc., sont des activités qui caractérisent la ruralité dans notre pays, même si certaines de ces activités se déroulent dans le milieu urbain. J'allais faire observer cela. Oui, oui, il y a l'agriculture. Parce que dans certains chefs-lieux de province, justement, qu'on qualifie de ville, mais ce sont des activités agro-silvopastorales qui dominent toujours. Oui, mais il reste que, quand même, c'est une ville.
Elle est petite, elle ressemble à un village, voilà, mais du point de vue de la nomenclature, on la considère et administrativement aussi comme étant une ville. Ça peut être une ville secondaire ou une ville principale, une grande ville comme Ouagadougou et Bobo, les villes provinciales, certains chefs-lieux de communes même qui ont le fait urbain qui se développe. Donc la ruralité, pour résumer, c'est l'ensemble des activités, des modes de vie, des composantes de l'espace qui renvoient à des activités historiquement et classiquement connues comme étant des activités qui ne sont pas urbaines, mais des activités rurales. Alors, ce sont les deux disciplines que vous enseignez au département de géographie. Les matières que j'enseigne ont beaucoup plus trait à ces deux aspects. Ces aspects de ruralité et ces aspects économiques. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Et d'autres collègues qui enseignent des matières qui portent sur la ruralité. Et bon, voilà. Avec votre expérience d'enseignant-chercheur, comment vous appréciez le degré d'intérêt des étudiants vis-à-vis de ces deux aspects-là en géographie? Déjà, bon, la filière géographie, c'est pas des effectifs pléthoriques comme ailleurs. Bon, quand même, hein, en géographie... Actuellement, en première année, il dépasse le millier, les étudiants. Vous savez, les effectifs se sont explosés ces dernières années, surtout à l'université Joseph Kizerbo, actuellement. Pour l'intérêt de ces matières, je pense que ça intéresse bien les étudiants, surtout que ça a une utilité pour la formation des étudiants, pour les préparer à être des géographes qui puissent contribuer dans leur société, qui puissent s'épanouir et qui puissent s'insérer dans le marché de l'emploi ou contribuer en tant que citoyen à la production de connaissances, à faire avancer les théories géographiques et d'autres théories. Donc, et dans un pays majoritairement rural, pour ne pas dire essentiellement rural aujourd'hui, il va de soi que les enseignements en lien avec la ruralité soit non seulement intéressant pour les étudiants, mais nécessaire. Parce qu'on ne peut pas aborder avec sérénité la question du développement sans tenir compte de cette composante de l'espace qui est la ruralité avec tout ce qu'il contient. Alors, on va évoquer la question des problèmes liés à l'enseignement supérieur public au Burkina. La question, on a évoqué tout à l'heure les effectifs. Est-ce qu'il y a toujours ces questions de place pour faire les cours? Il est arrivé qu'on programme des cours et il y a un problème de chevauchement ou bien de double programmation pour des cours donnés. Oui, je pense que les problèmes d'infrastructure, c'est de ça que vous voulez parler, demeurent dans les universités publiques et particulièrement à l'université de Joseph Kizerbo, l'université de Ouagadougou anciennement. Donc, ces problèmes ne sont pas encore résolus. Il y a peut-être des efforts qui sont faits progressivement pour les résorber, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que ces problèmes sont totalement résolus, en la mesure où il y a des répartitions des amphithéâtres entre des disciplines, entre des UFR, etc. Mais dans le fond, on se rend compte que les capacités d'accueil ne sont pas au niveau de la demande. Le problème existe toujours. Les problèmes existent toujours. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, Dr Laurent Ouédraogo est notre invité. On va ouvrir le chapitre de votre casquette de promoteur de la structure alternative production qui intervient dans le domaine de la production cinématographique, la communication, la formation et la recherche. Déjà, pourquoi alternative production? Qu'est-ce qu'un ancien chercheur en géographie cherche dans la production? Alors, il faut dire que alternative production a dévancé l'ancien chercheur. Alternative production existe depuis 2013, alors même que j'étais dans mon parcours de doctorat en géographie. Et c'est un cabinet privé qui a l'ambition d'offrir quelque chose d'intéressant des citoyens en termes de production cinématographique, en termes de formation, en termes de recherche, en termes de communication. Donc, alternative production précède l'ancien chercheur. Donc,
L'enseignant chercheur est venu s'ajouter à l'alternative production et non l'inverse. Et non l'inverse. Alors, dans ce cadre, vous avez réalisé un film documentaire qui a été projeté officiellement le 28 décembre 2019. Le titre, c'est « Nous n'habiterons pas au ciel ». Déjà, de quoi parle ce film documentaire « Nous n'habiterons pas au ciel » ? Oui, merci beaucoup. Le film a été lancé officiellement plutôt le 27 décembre. Le 27 décembre. Le 27 décembre, au centre de presse Norbert Zongo. Et ce film est une contribution à élucider, à porter une préoccupation majeure des couches populaires de notre pays. Comme vous le savez, cette dernière décennie a été marquée dans notre pays par la crise de la gestion du foncier et par une crise du logement sans précédent. Donc, nous avons fait ce film pour donner la parole aux acteurs qui sont plus concernés par cette problématique, pour porter leur voix. Et c'est dans ce sens que le film a été une contribution citoyenne. Dans ce film, nous avons fait le pour et le contre, donné la parole aux acteurs qui sont arrêtés, ceux-là qui ont fait le film. Les personnages qui y sont ceux qui ont fait le film. Nous, en tant que réalisateurs, avec notre équipe de réalisation qui était totalement dévouée pour que ce film voit le jour, nous n'avons fait que accompagner techniquement les gens pour qu'ils s'expriment à travers un outil qui est le film. Donc, ce sont les problèmes des populations qui vivent dans les non-lotis qui y sont exposés. La question des sociétés immobilières y est discutée. Les questions politiques telles que gens de Nagrin, de Rayongo, de Yagma, etc., les discutent telles qu'ils conçoivent ces problèmes politiques-là et quelles sont leurs perspectives, quel est leur regard du paysage politique des hommes politiques là, d'hier et d'aujourd'hui, tous ces éléments ressortent dans le film et ce qui en fait effectivement un film interpellateur, un film qui montre qu'il y a nécessité et urgence d'apporter de véritables réponses sincères et honnêtes là, à cette problématique qui est en passe, comme les gens l'ont dit dans le film, de devenir une bombe sociale. Alors déjà, c'est vrai que vous avez parlé du forum de contribution citoyenne. L'idée de réaliser ce film documentaire sur, parce qu'en temps de fond, c'est la question du logement qui est posée, particulièrement dans la ville de Ouagadougou. Pourquoi cette idée de réaliser, de donner la parole à ceux que vous appelez les premiers concernés ? Et l'idée du film est partie du fait que je suis un militant. Je suis un militant engagé pour la cause de ces gens qui n'ont pas de toit, pour la cause de ces gens qui ont été victimes des pratiques de lotissement qui ont créé le problème aujourd'hui. Et là, c'est important à souligner. Et c'est en tant que militant, avec les moyens de bord, que j'apporte une contribution citoyenne. C'est exactement comme quelqu'un avec son taxi-moto qui va quitter Rayongo, prendre de vieilles femmes qui n'ont pas les moyens de venir au centre-ville pour marcher. Sa contribution a été de mettre son taxi-moto gratuitement au service des femmes pour qu'elles viennent marcher, aller demander au Premier ministre qu'elles veulent des abris, elles veulent des toits. Ma contribution est égale à cette contribution-là et pas plus. Seulement, je contribue autrement avec un film que je peux faire, que je peux réaliser, qui est de la communication, qui est de l'information. Et quelle est la durée du film ? Comment vous avez fait la sélection des quartiers ? Pourquoi Rayongo ? Pourquoi Nagrin ? Et pourquoi pas Bisguin ou je ne sais pas, dans d'autres quartiers de la ville de Ouagadougou ? Oui, Rayongo, Nagrin, ce sont des noms qui me viennent comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait Rayongo, mais on l'a fait, oui. Mais il y a par exemple des zones comme Nagboudé, des zones comme Yamtenga et d'autres quartiers. Voilà. Donc la sélection, le choix a été fait sur la base de la situation réelle sur le terrain. Comment les problèmes s'expriment dans leur diversité ? Quels sont les foyers ardents de mobilisation ? Et cela avec le coaching des éléments des membres de la coalition des associations pour la défense du droit au logement qui ont donné une contribution volontaire qui ont été disponibles pour accompagner la réalisation de ce film. Donc, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des préférences pour des quartiers par rapport à d'autres, mais bon, on a fait un choix raisonné. L'idée étant que les problèmes qui seront vus et présentés dans le film, et qui ont été présentés dans le film, à Nagrin, sont les mêmes qu'à Yagma, où nous ne sommes pas allés. Sont les mêmes qu'à Bisguin, où nous ne sommes pas allés.
Et, bon, vous savez, pour réaliser un film, bon, on ne peut pas tout mettre. On discute d'un problème. Le plus important est que le problème soit vrai et que la majorité des gens pour qui le film a été fait s'y reconnaissent. Est-ce que, à propos justement, le choix de ceux qui doivent intervenir, c'est vrai qu'il y a les quartiers, vous avez évoqué, où la question est plus posée, mais à propos des intervenants, là aussi, il faut faire des choix. Oui, il faut faire des choix. Et d'abord, je ne vous ai pas précisé, le film fait 40 minutes. Et nous avons fait un choix de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas d'habitude dans ce genre de document. Et le choix est raisonné, comme nous on le dit, dans le domaine de la richesse. Il n'est pas aléatoire. On décide, ce sont ces acteurs-là qui sont le centre d'intérêt pour la réalisation de ce film. Maintenant, on veut avoir une diversité de points de vue. Donc, ce sont les acteurs directs qui sont les principaux personnages, mais on a rencontré des autorités locales qui sont plus proches de ces acteurs-là. On a demandé à voir des maires. Il y en a qui ont répondu. Et il y a un maire qui a accepté de se prêter à notre exercice, donner son point de vue, que nous remercions au passage, une fois de plus. Bon, il y en a qui n'ont pas répondu. Donc, ce n'est pas un seul son de cloche. C'est pas un seul son de cloche. Le docteur Laurent Ouédraogo n'a pas baladé son micro pour recueillir les plaintes juste des habitants des zones non loties. Ah non, pas du tout. Pas seulement ça. Et j'ai donné... j'ai tendu mon micro et braqué ma caméra sur des autorités pour qu'elles disent ce qu'elles pensent de la question. Elles ont dit, mais bon, vous savez... En fin de compte, on s'est rendu compte que quoi qu'on fasse, bon, quand la vérité crève les yeux, c'est difficile de la cacher. Alors, pour quelqu'un qui a suivi ce film de 40 minutes, vous qui l'avez réalisé, qu'est-ce que vous espérez comme message que ceux qui vont suivre ce message, ou les échos qui vous parviennent jusque-là, pour ceux qui ont suivi le message, est-ce que vous pensez que votre travail déjà en termes de donner la parole à ces premiers concernés, le message est déjà passé par rapport aux réalités que ces gens vivent, qui n'ont pas ces personnes qui n'ont pas de toit. Ouais, je pense que le message est bien passé. En témoignent les visionnaires sur le terrain, les projections sur le terrain qui ont mobilisé des centaines de personnes dans les différentes zones non loties, dans les différents quartiers de Ouagadougou. Et là, c'est l'occasion de remercier le Réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, qui, dans le cadre de ces JNRC, Journée nationale de refus contre la corruption, de la corruption, a demandé à utiliser le film comme un support de sensibilisation et d'interpellation. Voilà. Donc ça, c'est une occasion de les remercier. Et le film, chaque fois que... le film a été projeté. Bon, les cynophiles, entre guillemets, repartent avec le sentiment que leur voix, leur préoccupation a été synthétisée et présentée au grand public. Donc, de ce point de vue, je pense que le message est passé. Et ce message, c'est lequel ? Ce message est de dire... Il y a eu des pratiques sur cette question de la gestion du foncier urbain, sur cette question de la politique du logement, de la conception de comment un État peut considérer la question du logement pour son peuple là, que ces éléments ont été totalement constitutifs d'une faillite qui a donné lieu à une crise. Le message est de dire qu'il faut rapidement faire la justice autour de ce qui s'est passé. Quand on dit faire la justice, il y a eu des gens qui ont, dans des localités où, par exemple, je prends le cas de Zongo, où ça a été dit dans le film, les autorités municipales à l'époque sont allées dire aux populations de Zongo qu'il y a plus de 55 000 parcelles qui peuvent être produites au cours du lotissement. Et que les résidents recensés, avec les différentes catégories R1, R2, etc., sont autour de 35 000. Donc on avait plus de parcelles que de résidents. Que de résidents.
Mais en fin de compte, au bout du compte, il s'est trouvé que plus de la moitié, pour ne pas dire les deux tiers des 35 000 n'ont pas été attributeurs de parcelles. Mais quoi de plus normal que ces personnes-là réclament leur parcelle? Si les parcelles ont été produites pour ces populations, effectivement, que faire justice, c'est se donner les moyens pour que ces parcelles qui ont été détournées ou voilà, à d'autres fins reviennent à ceux-là qui en avaient droit. Parce qu'il y en a qui y étaient installés depuis 10 ans, 15 ans, qui ont acheté leur lopin. Et le drame est qu'on a demandé des contributions financières à ces résidents au motif que c'est pour supporter les charges de l'opération de parcellement. Et en fin de compte, ils n'en ont pas. C'est ce message-là que les populations ont donné dans le film. Et ce message de justice, je pense qu'on n'a pas le choix que d'aller dans ce sens. C'est tout le sens du titre « Nous n'habiterons pas au ciel ». La question, parce que l'engagement se perçoit aisément. Il y a une forme de volonté de se battre pour acquérir ce droit-là. Absolument. L'engagement des populations dans les non-lotis ou dans les zones à lotissement litigé, il est total. L'idée du titre « Nous n'habiterons pas au ciel », c'est venu comme cela c'est ou venu c'est juste la phrase d'un intellectuel? Non, ce n'est pas la phrase d'un intellectuel. Si vous suivez le film, je vous invite à le faire. Ce sont les acteurs qui disent qu'ils ne vont pas dormir au ciel. Hein. Donc ce sont les acteurs qui... Ce sont les acteurs qui ont donné le nom, le titre au film. Et le documentaire étant du cinéma réalité... C'est comme ça que je le conçois. C'est du cinéma vrai, c'est pas de la fiction. On prend des situations réelles voilà, avec l'outil qui est le cinéma. Et puis bon, on présente. Les acteurs ont dit, nous n'allons pas habiter au ciel. Et cette phrase vous a tiqué. Ça m'a tiqué. Vous avez le titre de votre film documentaire. J'ai le titre de mon film documentaire. Comme je vous l'ai dit, ce sont les personnages qui ont réalisé le film, en réalité. Moi, mon travail avec mon équipe a consisté à les accompagner dans ce sens. Donc, tout l'honneur et tout le mérite leur revient et non pas à Laurent Ouédraogo ou à ses assistants. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse reconnaître nous-mêmes. Alors, à propos justement de ces pratiques, c'est vrai qu'il y a le volet politique, mais d'aucuns aussi indexent certaines pratiques des résidents qui préfèrent chaque fois être dans une logique d'acquérir les parcelles, de les revendre et d'aller s'installer dans les zones non loties. Est-ce que c'est une réalité? Quand j'entends ces arguments, je dis que ce sont des arguties. Et c'est minable comme argument. Et c'est généralement utilisé par ceux-là même qui sont les responsables de la crise, des détournements, de toute la mafia qui s'est organisée autour de la... des questions de lotissement qui utilisent cela pour rendre coupable, pour jeter la pierre sur les victimes. Vous voyez, aujourd'hui, aucune autorité n'est en mesure de dire nous avons fait un lotissement. Après 5 ans, nous avons constaté que tant de pourcents de personnes ont vendu leur terre pour aller dans les non-lotis. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas pour c'est vous. C'est des cas. Pour je ne dis pas que ça pas. N'existe pas, mais ça ne peut pas être un argument à brandir. Le problème de fond n'est pas ça. Le problème de fond... Quel est le problème de fond, le problème de fond, sur le terrain, est qu'il y a 55 000 parcelles, par exemple. Ça, c'est pour le cas de Zongo. Le cas de Zongo. Et est-ce, que le cas est-ce que le cas de Zongo s'applique à Rayongo ça ou s'applique à Yarma? Peut-être qu'ailleurs, c'est pire. Peut-être qu'ailleurs, c'est pire même que le cas de Zongo que je vous ai dit. Le problème de fond, c'est ça. Le problème de fond n'est pas qu'on donne des parcelles à des individus qui les revendent pour ne pas dans les non-lotis. Et ces individus sont rares. Imaginons, vous, M. Houlon et moi, entre être dans un non-loti et vivre dans une zone dite lotie où il y a des semblants de rue, où le courant, il y a des délaissages tout le temps, il n'y a pas d'eau, etc. On préfère là où il y a des semblants de rue qui sont dans les non-lotis. Allez-y, dans les non-lotis. Combien de Burkinabés peuvent se sentir à l'aise, peuvent choisir de vivre dans les non-lotis par rapport à là où il y a un minimum de viabilisation? Donc, c'est un faux problème. Et généralement,
Bon, ce sont ceux-là, comme je le répète, j'insiste, qui sont les responsables de la situation. Et puisque les populations n'ont pas le droit à la parole, les gens n'ont pas les radios ou les télés pour dire sur les grands plateaux, pour s'exprimer et donner la situation, bon, voilà. Dans le cas de votre film documentaire, c'était l'occasion. C'est pour ça que nous leur avons donné la parole, pour que les populations disent, ceux qui nous ont volé là, ils sont là. Donc pour nous vous, la question, la question des zones non loties, la question des parcelles, la question du droit au logement, c'est une question de détournement de parcelles, c'est une question de malgouvernance. C'est absolument cela. Le problème de... Les causes sont là. Hein. C'est d'abord le fait que nous sommes rentrés dans une situation où la minorité de riches, qui soient du pouvoir ou non du pouvoir, ont engagé cette forme d'accumulation primitive de la terre. C'est devenu leur business. Deuxièmement, on est dans une situation où l'État n'a pas de politique de logement. Du point de vue de la conception de la question du logement, la conception elle est archaïque. Je suis géographe. Et pourtant, au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, on évoque des plans d'aménagement. On dit que des plans existent. Une chose est d'avoir un plan. Une chose est qu'il soit opérationnel et qu'il corresponde à une situation donnée et qu'il soit en mesure d'apporter des réponses à des préoccupations des gens du peuple. Vous voyez, on ne peut pas confondre. Et ça a commencé depuis même sous le CNR. Hein. Quand on conçoit la révolution, quand on se dit que avoir un logement, c'est avoir une parcelle, concrètement et scientifiquement, c'est trop banal. Mais si on rentre dans cette logique et on dit qu'il faut faire des parcelles données aux gens, qu'il y ait la justice dedans. On ne peut pas produire des parcelles et ceux qui y sont n'en bénéficient pas. Et bon, il y a quelques individus, que ce soit des conseillers, des maires ou autres, là, bon, qui se taillent des dizaines, etc. Dans le film, il y a des vieux qui ont témoigné, un vieux qui a témoigné pour dire qu'eux, ils se sont promenés dans leur quartier Nagrin pour montrer à un envoyé du maire central de Ouagadougou de l'époque, Simon Compaoré, ceux-là qui ont une, deux, trois, jusqu'à 10 parcelles, les individus, d'un même tenant, dans le quartier. Dans le quartier Nagrin. Et, bon, il n'y a pas eu de suite. Et le rapport de l'Assemblée nationale... On va revenir sur ce détail. Sur ce là, voilà. On était sur votre film documentaire, un peu l'esprit... L'esprit, ça. Donc, moi, je suis qui suis sur le terrain, moi qui ai fait le terrain dans le cadre de ce film, et bien avant ce film-là, je suis outré d'entendre cet argument qu'on balance à ces victimes des opérations de lotissement. Parce que ça ne correspond à la réalité. Ce sont des arguments, je dirais, fallacieux qui sont utilisés pour justifier, pour cacher quelque chose qu'on ne peut plus cacher aujourd'hui. Comment? Sinon, est-ce que c'est ces milliers de personnes qui descendent dans la rue, là, qu'ils apportent les preuves qu'on leur a donné des parcelles et qu'ils ont laissé aller dans les non-lotis? Puisqu'ils sont dans leur zone, on est venu parceller, on a pris là où ils sont là, on a vendu à quelqu'un qui vient chercher à les déloger pour construire. Et c'est là où ils font la résistance et je pense que c'est légitime. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le docteur Laurent Ouédraogo est notre invité. Il est enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo et producteur, réalisateur du moins du film documentaire « Nous n'habiterons pas au ciel ». Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'Assemblée nationale. On allait ouvrir un chapitre sur cette question du contrôle de l'action du gouvernement sur le volet droit au logement ou la question foncière. On a vu que l'Assemblée nationale a essayé de faire l'état des lieux du foncier à travers une commission d'enquête parlementaire. Et là, nous étions en 2016. Déjà, on est en 2020. Est-ce que ces travaux ont porté fruit? Ça a permis de voir un peu plus clair dans cette question de gestion du foncier au Burkina, docteur Ouédraogo? Moi, je pense personnellement que ce travail a été un travail utile. C'est un travail à saluer dans la mesure où ça a apporté de la lumière
sur des individus qui ont 200 parcelles, 500 parcelles, qu'ils ont détournées. Sur des sociétés immobilières qui doivent des milliards de francs CFA à l'État. Donc sur ce plan, ce travail a apporté de la lumière sur la mafia, toutes les pratiques les plus insoutenables qui ont eu lieu sur cette question de la gestion du foncier. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait? On allait revenir sur cette question, voilà. Parce que vous avez évoqué l'indexation de certains responsables. À l'époque, certains ont décrété une commission d'enquête parlementaire politique parce qu'on s'attendait à voir certains noms, notamment l'ancien maire de Ouagadougou. On ne voit nulle part son nom. Donc, au niveau de l'ancien parti au pouvoir, on criait à une instrumentalisation de cette commission d'enquête parlementaire. Et est-ce que vous comprenez un peu cette préoccupation-là? Moi, je comprends ce qui se dit par rapport à la partialité du rapport. C'est vrai? Pour vous, c'était une commission d'enquête parlementaire qui a tenté de cibler une coloration Je ne dis pas ça forcément. Je dis simplement que le rapport dit clairement et donne en appui des noms et que des dizaines, des centaines de parcelles ont été détournées, des individus, des personnes physiques ou des personnes morales doivent à l'État, qui ne paye pas, c'est des milliards. Peut-être qu'avec ces sous, ce serait passé de l'UETS et on aurait résolu pas mal de problèmes. On aurait construit des logements sociaux pour ces gens qui sont dans les non-lotis. Le rapport dit ça. Maintenant, effectivement, chacun peut se faire une idée parce que, quoi qu'on dise, c'est un rapport fait par des hommes politiques, par une assemblée nationale. Que le rapport ait été partiel, je crois que le rapport n'a pas tout dit. D'abord, du point de vue géographique, le rapport n'a pas porté sur toutes les communes, sur tout le pays. D'un point de vue géographique, au regard du, ça a été partiel. Au regard du délai, c'est quand même difficile de pouvoir le faire. Il pouvait se donner 3 mois, 4 mois. La loi prévoit 2 mois. C'est ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La loi prévoit 2 mois. Une commission d'enquête parlementaire, au-delà de 2 mois, le président de l'Assemblée nationale peut mettre fin aux travaux. Alors, je ne suis pas sûr qu'en 2 mois, il ne faut pas faire plus que ça. Mais là n'est pas mon propos. Mon propos est que, effectivement, comme je l'ai dit, d'un point de vue géographique, ça n'a pas pris tout le pays. On aurait pu se donner plus de moyens pour le faire. Deuxièmement, effectivement, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes après l'insurrection. Il y a une partie de ceux qui ont géré le foncier et dont les noms sont cités dans le film. Nous n'habiterons pas au ciel. Quels sont ces noms qui reviennent dans le film? Qui sont au pouvoir. Quels sont ces noms qui reviennent dans le film? Les populations disent clairement, par exemple à Zongo, que M. Simo Compaoré et Mme Séraphine Ouédraogo sont venus dans une école Simon chez Compaoré, eux. Respectivement, maire central de Ouagadougou et Séraphine Solange, qui a été maire de l'arrondissement de Bouloumigo. Et on dit, M. Simon Compaoré et Mme Séraphine Ouédraogo sont venus chez nous pour nous dire, population de Zongo, restez tranquille, parce qu'il y aura 55 000 parcelles ici. Vous êtes 34 000. Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas avoir vos parcelles? Donc, ces noms ressortent clairement. Séraphine Solange Ouédraogo a des problèmes dans tous les cas, parce qu'il y a un dossier judiciaire, elle avait été incarcérée du reste. Oui, alors, donc, sur cette base, bon, on sait qu'on ne peut pas dire que, dans le même temps, après le rapport, bien entendu, ce n'est pas à moi, Laurent Ouédraogo, de dire pourquoi il n'y a pas le nom de M. Simo Compaoré et pourquoi il y a le nom de Mme Séraphine Ouédraogo, etc. Mais je vous donne des faits, cette base. Donc, du coup, quand des gens disent que bon, c'est parce que ceux-là, ils sont au pouvoir, qu'ils se sont taillés un rapport sur mesure, ça peut se comprendre. Mais cela n'empêche pas que, pour l'instant, ce qui est fait là, qu'on règle ça. C'est-à-dire que demain, si c'est l'équipe de Oulon qui arrive au pouvoir, il y aura une enquête profonde, élargie, impartiale, qui va montrer clairement les noms et les trucs, les comportements des uns et des autres, et qu'il y aurait une justice. Mais le bout qu'il y a là, il faut régler ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec les gens de la coalition, des associations pour la défense du droit au logement, qui disent qu'il faut appliquer. Donc les recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur les foncier n'ont pas été appliquées. Bon, jusque-là, à ma connaissance, au niveau des populations, je ne crois pas que quelqu'un ait bénéficié d'une parcelle qu'on lui aurait
qu'on lui a retiré, parce qu'effectivement, donner à quelqu'un ou vendre à quelqu'un. Donc bon, je pense que si vous promenez votre micro, les populations dans les zones à lotissement litigieux vous diront clairement qu'ils sont dessus. Ça fait 4 ans qu'on a mis un rapport dans le tiroir. Et ça semble, c'est classique, mettre les rapports dans les tiroirs. Au niveau de l'Assemblée nationale, on annonce encore une autre commission d'enquête parlementaire. Là, c'est sur l'action des sociétés immobilières. Ça a été annoncé à la fin de la session 2019. Normalement, il est prévu au cours de cette année 2020 une commission d'enquête parlementaire pour voir un peu les actions, parce qu'on annonce plus de 200 sociétés immobilières au Burkina Faso. Déjà, est-ce que vous estimez que c'est encore une bonne action au niveau de l'Assemblée nationale pour voir un peu plus clair sur ce que font exactement les sociétés immobilières? Moi, je pense que ce que les sociétés immobilières font est déjà connu. Qu'est-ce qui est connu? Si vous demandez mon point de vue, qu'est-ce qui est connu, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui, dans un contexte où on dit qu'il n'y a pas d'argent et que nous, fonctionnaires du public, là, on veut nous imposer un UTS là. On va revenir sur la question de l'UTS, docteur. Oui, c'est pour dire que ce que les sociétés immobilières font est visible. On voit des spots publicitaires, on offre des logements au Burkinabé à des coûts sociaux. Vous doutez de cela, docteur Ouedraogo? Voilà que je suis obligé de pouffer un sourire. C'est ce que nous voyons comme publicité. Non, ce n'est pas seulement ce que vous voyez, monsieur Oulor. Moi, je vous pose la question. Nous voyons quoi? Nous voyons qu'autour de Ouagadougou, les sociétés immobilières marquent leur emprise et Ouagadougou est cerné. Nous voyons qu'il y a des sociétés immobilières qui font de la production de parcelles. Qui parlent de parcelles et qui vendent. Il y en a même qui vendent des non-lotis aujourd'hui. Si vous écoutez les sports là, il y a des sociétés immobilières là. Ils ont vendu ce qui est parcelles, ils sont dans des non-lotis. Vous pensez que c'est ça le travail d'une société immobilière, d'une société immobilière? Non, ce n'est pas ça leur boulot. Le ministère est sorti pour dire qu'il n'a pas... Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ils n'ont pas donné d'autorisation, etc. Mais si l'État a une autorité, comment nous, moi, État, je n'ai pas donné d'autorisation à quelqu'un. La personne agit sur le terrain et je ne peux pas l'arrêter. Ça pose un problème. Donc, je pense que c'est un élan qui n'est pas un élan de sincérité. Vous doutez de la sincérité? Je doute absolument de la sincérité je doute surtout de ce que ça va apporter. Si ce n'est pas peut-être que ça va donner... Ça permettra peut-être de... Ça permettra peut-être d'avoir une idée beaucoup plus claire. Non, je pense que... ce n'est pas ça. Ce n'est pas par ça qu'on va trouver la solution. Ce n'est pas par ça. Pour vous dire honnêtement, quelle est la solution, docteur Laurent Ouedraogo? Aujourd'hui, prenons le cas de Ouagadougou. On dit il y a une crise sur le logement, surtout sa variante lotissement, en 2011. Les lotissements ont été suspendus. En 2013, il y a eu les états généraux sur le lotissement. Aucune commune ne peut mener actuellement des lotissements, même après la levée de la mesure de suspension, pour le reste, excepté Ouaga et Bobo. Dans le même temps, je vous assure, le nombre de sociétés immobilières est passé à 268 au mois d'avril passé, selon les chiffres du ministère. Et ces sociétés immobilières, la plupart d'entre elles, procèdent à des actions de lotissement sous prétexte que c'est avec des propriétaires terriens. Elles acquièrent la terre, elles acquièrent le foncier. Mais on sait très bien que la loi prévoit un certain nombre d'éléments pour les opérations immobilières. Et le ministère est incontournable dans cela. Donc vous voyez, ce 2 poids 2 mesures est le fond du problème. Et c'est ce qui fait dire à des gens dans le film, et je reviens là-dessus, que les sociétés immobilières égales à l'État, l'État égale aux sociétés immobilières. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Bonnet, blanc. C'est pour dire quoi? Il y a une complicité entre, très probablement, ceux qui gouvernent aujourd'hui et les sociétés immobilières, parce qu'il y a vraisemblablement une collision d'intérêts sur la situation actuelle. Et pourtant, on a vu des sociétés immobilières qui ont été sanctionnées, certaines ont été suspendues. On a vu d'autres qu'on a
On n'a pas délivré des autorisations d'exercer. Est-ce que ce n'est pas à quelques égards aussi une question? On montre la volonté d'assainir un peu le milieu. Je pense que si vous vous grattez, bon, vous allez voir autour de quoi certaines sociétés immobilières ont été sanctionnées, on les a suspendues, on a arrêté leurs actions. Mais le fond, l'essentiel, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Quelles sont les sociétés immobilières qui sont les plus actives? Quelles sont leurs emprises? Quelle est la part de ceux-là que vous citez qui, dont les activités ont été suspendues dans l'ensemble qui crée le problème? Vous voyez? C'est ça la question aujourd'hui. Hein? Donc, c'est parce que vous le dites, hein? Parce que bon, les sociétés immobilières dont les actions ont été arrêtées, on entend parler bruité dans les journaux, etc. Mais c'est vraiment du menu fretin. C'est du menu fretin, quoi. Donc, sinon aujourd'hui, bon, les sociétés immobilières ont la plus le beau temps. Je pense que ce sont elles-mêmes qui donnent plus d'argent aux médias en termes de spots publicitaires. Hein. Donc, finalement, elles font beaucoup plus dans les pubs, l'achat des zones non loties. C'est pas plus dans les pubs, hein, c'est dans la pratique, dans l'appropriation, la même mise sur le foncier. Et ça pose un gros problème parce que si la question nous intéresse en tant que citoyens, c'est que cette bombe sociale-là, quand elle va exploser, là. Vous empruntez les mêmes mots que la commission des réformes de la réconciliation. Oui, c'est une bombe sociale. Oui, oui. C'est une bombe sociale. À la suite de l'insurrection populaire. Même le CES a dit que c'est une bombe sociale. Conseil économique. Tout le monde est unanime pour dire que c'est une bombe. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bombe sociale. Et qu'est-ce qu'on fait pour désamorcer cette situation? Ah ben, la solution est entre les mains du politique. Non. Et si des gens ont intérêt à ce que la bombe sociale explose, je ne pense pas que les gens du peuple qui ne savent pas où aller, qui veulent vivre dans la paix, qui veulent avoir des abris, n'ont pas intérêt à ce que la bombe sociale expose. C'est pour ça que ces gens-là se battent, ont des plateformes et disent « Résolvez nos problèmes, faites la justice ». Si on fait la justice, il n'y aura pas de bombe sociale qui va exploser. Maintenant, bon, j'ai l'impression que, irrémédiablement, et comme si c'était dans la logique-là, les choses progressent dans le sens de faire exploser cette bombe sociale-là. Et c'est vraiment dommage. Un mot sur l'accaparement des terres en milieu rural avec la forme de ce qui a été prôné pendant longtemps, l'agro-business. Vous connaissez un peu aussi ce sujet. Quelle est la réalité de ce phénomène au jour d'aujourd'hui en milieu rural? La réalité est que les terres rurales sont presque finies également. La réalité est que... Avec la pression démographique. Ouais. Et pas seulement ça. La réalité est que beaucoup de personnes qui ont les moyens, les nantis, les riches, se sont jetés dans l'achat des terres. C'est ça l'accumulation hein, primitive du capital, c'est accumuler la terre pour attendre, spéculer, etc., etc. Il y en a qui essaient, s'il y en a là, c'est des opérateurs qui essaient de faire du business, développer l'entrepreneuriat agricole, etc. Mais pour l'essentiel, il s'agit d'une accumulation éhontée et inacceptable dans un pays où il y a des paysans en même temps qui n'ont pas de terre pour cultiver. Imaginez-vous, certaines déclarations de biens d'éléments du gouvernement, notamment sur la transition, vous avez bien fait d'écrire un document là-dessus, les trahisons, etc. Et je vous en félicite au passage. Mais il y a des membres du gouvernement qui ont dit qu'ils ont 100 hectares dans le zéro. 100 hectares, hein? Dans la déclaration de biens de l'ancien premier ministre Yacoub Isaac Zida, c'est mis dedans dans le village de Pouré. Mais quand même, figurez-vous que dans la même zone, il y a des migrants qui sont venus du Sahel, etc., qui ne peuvent pas avoir 2 hectares pour cultiver. Dans la même zone, les éleveurs sont persécutés. Ils sont obligés, certains, d'aller au Ghana et vivre des situations pas faciles et enviables là-bas. Parce que, bon, des... Donc la question se pose en milieu rural également, la question en milieu rural, et même est dans une gravité égale à celle qu'au niveau du milieu urbain. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, l'ancien chercheur Dr Laurent Ouedraogo est notre invité. Il enseigne au département de géographie à l'Université Joseph Kizerbo et réalisateur du film documentaire « Nous n'habiterons pas au ciel ». Un mot sur l'actualité avec cette question de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements de salaire qui fait toujours débat avec cette semaine la sortie des syndicats de greffiers, ceux de la magistrature qui sont montés au créneau qui appellent à la mobilisation si l'UTS est appliquée. Quelle est votre réaction sur cette question d'extension de l'UTS sur les primes et indemnités, sur les rémunérations en fait des travailleurs du public? Je pense que l'attitude du gouvernement est de la provocation.
Nous, au niveau des syndicats, nous avons demandé de supprimer l'UTS au niveau du privé. Au niveau du gouvernement, on parle de justice sociale et d'équité. Non, la justice sociale, il ne faut pas concevoir ça à l'envers. Le gouvernement conçoit ça à l'envers. On dit de supprimer là où ça pèse sur le pouvoir d'achat des gens du privé. Donc, vous dites non. Vous avez l'impression que le gouvernement... On va mettre ça chez vous-même. Ça a pesé sur tout le monde. Bon, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la provocation. Et c'est pour cela que ça ne passe pas et ça ne doit pas passer. Et c'est ce qui explique la mobilisation générale pour dire au gouvernement, si vous avez des problèmes à régler aux travailleurs, si vous êtes contre les travailleurs, bon, dites-le clairement, parce que votre attitude là, sur ce cas notamment et sur bien d'autres cas, sont des attitudes qui montrent que bon, et vous voulez croquer du travailleur, mais le travail ne va pas se laisser faire. Donc vous les attendez de pied ferme. Ah ben, bien sûr qu'on les attend de pied ferme. Donc chacun regarde. On diminue le revenu, on diminue les salaires des travailleurs, alors que de l'autre côté, Ils semblent que ce n'est pas mécanique. Nous avons fait les simulations. Nos responsables syndicaux, nos techniciens ont fait les simulations. Ce sont des chiffres qui sont imparables. Hein. C'est imparable. Le gouvernement ne peut même pas tenir devant cet argumentaire que les syndicats, je dis bien les syndicats qui sont contre la mesure du gouvernement, parce qu'il y en a qui soutiennent le gouvernement, même si ces derniers jours-là, ils se doivent de faire marche arrière pour venir parce que il y a cette coalition des syndicats libres et indépendants qui s'était montrée favorable au départ, mais apparemment ça me fait marche arrière et qui met en garde le gouvernement dans sa volonté de faire payer tout le monde. Je pense que c'est un revirement de dernière minute. C'est la situation réelle qui emporte ces syndicats. On peut pas. Parce qu'après peut-être on se rend il faut faire le distinguo entre responsables, leaders syndicaux et puis la base. Ceux qui sont à la base, là, c'est des gens qui travaillent et qui vivent à la sueur de leur front. Donc, moi, mon responsable syndical, s'il ne défend pas mes intérêts, je vais lui dire, mais écoute, tu ne défends pas mes intérêts. Mes intérêts sont clairs et c'est autour de mes intérêts qu'on peut me mobiliser. C'est ça, la règle. C'est cette règle-là qui s'applique à ceux qui veulent faire du nini, à ceux qui veulent s'asseoir sur deux chaises. On finit par avoir des torticoïdes. Alors, un mot sur la monnaie éco. Cette semaine, 6 pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone, qui rejettent l'idée de la nouvelle monnaie telle que prônée par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara en décembre 2019. Le président ivoirien avait fait des annonces aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron sur la fin du franc CFA concernant les 8 pays de l'UEMOA. Cette semaine, on a eu un peu cette question. Ces 6 pays de la CEDEAO qui sont sortis, qui ont marqué leur étonnement. Et la décision unilatérale telle qu'utilisée dans le communiqué final. Quelle est votre réaction sur cette question de monnaie qui apparemment commence à diviser entre acteurs de la CEDEAO? Je pense que la monnaie est une question extrêmement importante. Je ne suis pas économiste, encore moins spécialiste des questions de monnaie, mais la question monétaire est une question politique qui tient au développement, qui tient à l'avenir des pays, qui tient à la question de la dignité, de la souveraineté des peuples. Et ce sont les peuples depuis longtemps qui ont commencé, dans les milieux intellectuels d'abord, à dénoncer cette servitude monétaire. Ce sont les peuples qui prennent conscience que la souveraineté monétaire est un aspect de la souveraineté d'ensemble des peuples, condition pour aller vers le développement. Ce sont ces peuples-là qui réclament qu'il y ait rupture. Effectivement, beaucoup de gens ont été étonnés, surpris de l'annonce, parce que c'est comme si c'était tombé du ciel, un bonsoir, il y a une grande annonce, on nous dit la fin d'une histoire, etc. Et la forme posait problème, ce n'est pas moi qui le dis. La preuve est que les 6 autres pays de la CEDEAO sont sortis pour dire que ça pose problème, mais c'est surtout même le fond. Les techniciens ont déjà donné des éléments pour dire que bon, il y a des aspects. C'était une fausse affaire, c'était une façon de changer le nom du CFA. Et vous savez, quand on connaît l'histoire du franc CFA, c'est sûr que la France se battra jusqu'à ses dernières énergies pour garder la main sur cette monnaie. Parce que la monnaie, ce n'est pas du jeu, c'est de l'argent. Et c'est l'argent-là qui enrichit les gens, c'est l'argent qui aide aussi l'État français à résoudre ses problèmes. C'est l'argent
qui est recherché par les multinationales et autres. Là. Donc, c'est une question politique et c'est une question qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Rapidement, dernier mot également. Vous avez parlé de la France avec le sommet de Pau qui a réuni Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie sur la question du G5 Sahel et de la lutte contre le terrorisme au niveau du G et de l'espace sahélien. Grosso modo, de ce qui est ressorti à ce sommet de Pau, est-ce qu'on peut espérer un changement notable dans la lutte contre le terrorisme? Ce qui est ressorti de Pau n'est pas nouveau. D'une façon, Emmanuel Macron a convoqué les présidents du G5 Sahel pour leur dire, bon, allez-y, matez ceux-là qui veulent nous chasser. C'est de façon caricaturale, docteur Laurent. Ah non, mais c'est ça. Ce n'est pas ce qui a été dit dans le communiqué final. Écoutez, monsieur Houlon. Ce n'est pas ce qui a été dit dans le communiqué final. Ici, l'ancien chercheur est un citoyen, un militant. On regarde les questions politiques. Je parle de moi-même. Ce qui est. Mais il n'y a rien de nouveau qui est sorti de Pau si ce n'est pas l'aggravation de la situation. On parle de la présence de l'État malien, par exemple, à Kidal, ce qui n'était pas faisable depuis 2012. Mais vous savez. Ce qui a fait que l'État malien n'a pas été à Kidal depuis 2012 fera que l'État malien ne sera pas à Kidal dans les mois et les années à venir. Donc vous ne croyez pas aux engagements des Français? Je n'y crois pas une seule seconde. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur Laurent Ouédraogo, juste pour clore cette émission? Les populations demandent, et je suis de ces populations-là, que les bases militaires étrangères, notamment françaises, quittent nos pays. Parce qu'elles n'ont pas leur place ici. Elles ne sont pas là pour défendre qui que ce soit. Les peuples vont s'organiser et se défendre. Ces bases militaires sont là. C'est pour défendre les intérêts économiques, les intérêts de suprématie de la France, etc., etc. Et ce n'est pas pour assurer la sécurité des populations. Et c'était regrettable, j'allais dire même honteux, que les choses sont passées comme ça à Pau. Convocation, des instructions. Et finalement, bon, nos chefs d'État sont revenus. Et je pense personnellement que c'est regrettable, c'était même une grande honte. Point final de l'invité de la semaine sur Radio Liberté 92.8 FM. Cette semaine, nous recevons le docteur Laurent Ouédraogo. Il est enseignant chercheur à l'université Joseph Kivu 0, plus précisément au département géographie de l'unité de formation et de recherche en sciences humaines, promoteur de la structure alternative production et réalisateur du film documentaire « Nous n'habiterons pas au ciel ». Docteur Laurent Ouédraogo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tiona Sanogo était à la technique devant ce micro, Atiana Serge Houlon. Ce fut un plaisir et rendez-vous très prochainement sur la 92.8 FM pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. En attendant, bonne écoute de la 92.8 FM, La Voix Citoyenne.